Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur TV Plus Madagascar. Voici les titres. L'accueil des navires et vols en provenance des Comores et de Mayotte se poursuit toujours malgré le fait que les autorités de la région de Bouin aient décidé récemment la suspension de la correspondance avec les Comores et Mayotte à cause de l'épidémie de choléra qui sévit sur place, décision sur laquelle les autorités régionales de Bouin sont donc revenus. La garde des Sceaux a expliqué que la modification de la loi pénale relative aux viols sur mineurs a été plus que nécessaire au vu de la prolifération de ces actes à Madagascar dernièrement. Ce projet de loi passera devant le Sénat dans le cours de cette semaine. Et puis le flux d'arisée restera assez fort jusqu'à mercredi. Selon les prévisions météorologiques, il s'affaiblira ensuite pour le reste de la semaine. Pour terminer, en Amérique du Sud, dans le centre du Chili, de violents incendies ravagent la région côtière touristique de Valparaíso, faisant au moins 112 morts. Les pompiers continuent lundi de combattre une quarantaine de foyers actifs. Et direction la région de Bouéni. L'accueil des navires et vols en provenance des Comores et de Mayotte se poursuit toujours, malgré le fait que les autorités de la région de Bouéni aient décidé récemment la suspension de la correspondance avec les Comores et Mayotte à cause de l'épidémie de choléra qui sévit sur place. Décision sur laquelle les autorités régionales de Bouéni sont donc revenues en lieu et place. Un contrôle sanitaire strict est implémenté à l'aéroport d'Ambourville. Depuis ce matin, l'équipe du ministère de la Santé publique et celle du BMH se sont donc rendues sur place. La directrice régionale de la Santé publique de Bouin a renforcé la sensibilisation de la population sur l'importance de l'hygiène et sur les précautions sanitaires à adopter pour éviter la survenue d'une épidémie catastrophique pour la population comme pour l'économie. Reportage sur le récit de Sibylla Djemazab. Une note conjointe a été émise par tous les responsables et les représentants des autorités dans la région de Bouéni. Elle concerne en effet les mesures prises localement pour éviter la propagation dans la région de Bouéni de l'épidémie de choléra qui sévit aux Comores et à Mayotte. Après une réunion de ces responsables, la décision aurait été prise de suspendre toute correspondance avec les Comores et Mayotte afin de protéger la population de la région de Bouéni contre toute propagation de l'épidémie par cas importé. Mais les autorités régionales de Bouéni sont revenues sur cette décision d'interrompre les voyages vers les îles Comores et Mayotte où sévit une épidémie de choléra. Les vols et le trafic maritime en provenance de ces îles sœurs se sont poursuivis jusqu'à ce jour. Cependant, ce matin, la surveillance à l'aéroport d'Ambourville a été très stricte. L'équipe du ministère de la Santé et celle du BMH se sont rendues sur place. Ils ont désinfecté les bagages des passagers venant de ces îles. Un contrôle strict de l'état de santé des passagers a également été de mise, et cela pour toutes les arrivées. La directrice régionale de la santé publique de Bouéni a renforcé la sensibilisation de la population sur l'importance de la propreté et sur les mesures d'hygiène à respecter pour éviter la survenue d'une épidémie. Les sensibilisations n'ont pas pour but de faire peur à la population, mais de conscientiser tout un chacun pour une prévention efficace de la maladie, selon toujours la directrice régionale de la santé publique de Bouéni. Jusqu'à présent, une personne a été confirmée morte du choléra aux Comores. Il appartient au gouvernement malgache uniquement de prendre la décision de procéder à une fermeture des frontières lorsque cela s'avère nécessaire. Un taux de 52% des détenus pour la maison centrale d'Antalmour sont déjà passés
En jugement, selon le rapport de la ministre de la Justice ce jour, une nette amélioration de la situation avec l'application d'une politique pénale ajustée, d'après ses dires. Cependant, la norme internationale en matière de politique pénale exige que 70% des détenus aient déjà été jugés, ce qui nécessite que cette politique soit menée jusqu'à atteindre cet objectif. La garde des Sceaux a également expliqué que la modification de la loi pénale relative au viol sur mineurs a été plus que nécessaire au vu de la prolifération de ces actes à Madagascar dernièrement. Ce projet de loi passera devant le Sénat dans le courant de cette semaine. La rentrée judiciaire a eu lieu ce jour. Propos recueillis par Antjarlarsu et Omeka Janeston. Des améliorations palpables ont été apportées au niveau de la sphère judiciaire à Madagascar, selon la ministre de la Justice ce jour. Parmi ces changements figure l'accélération des procès pour les détenus. Pour la maison centrale d'Antanmour, 52% des détenus ont déjà été jugés, selon toujours le rapport de la ministre de tutelle. Un chiffre exceptionnel pour Madagascar, lorsque ce taux avait atteint péniblement les 30%. Mais malgré cette amélioration, la norme internationale exige que 70% des détenus soient déjà passés en jugement. Des efforts doivent encore être fournis afin d'atteindre cette norme. Par ailleurs, la ministre de la Justice a également tenu à apporter des explications concernant le projet de loi portant sanctions contre les actes de viol sur mineurs. Cette mise à jour de la loi est indispensable face à la multiplication des actes de viol constatés ces derniers temps, selon ses dires. En effet, rien que pour le mois de janvier 2024 dernier, 133 cas ont été enregistrés par le ministère. Un chiffre très alarmant. Ainsi, parmi les modifications apportées à cette loi, figure l'application d'une peine de travaux forcés à perpétuité contre les violeurs dont la victime est un enfant de moins de 10 ans, si la sanction prévue était auparavant 5 ans de travaux forcés. Il y a également l'instauration de la peine de castration chimique ou chirurgicale. Les auteurs de viols seront également présentés au public. Les auteurs d'inceste ainsi que les récidivistes devront aussi s'acquitter de peines de travaux forcés à perpétuité, selon ce nouveau projet de loi qui passera devant le Sénat dans le courant de cette semaine, selon toujours les précisions de la ministre de la Justice, lors de la cérémonie marquant la rentrée judiciaire au titre de l'année 2024. Et les habitants du Fouktanti Tataneti dans la commune d'Alagamis-Fenouarive, dans le district d'Antananarivo-Atsimdjan, ont entamé le nettoyage des canaux sur place en fin de la semaine dernière. L'objectif étant de prévenir le risque d'inondation qui plane sur les bas quartiers à chaque saison des pluies. Reportage de Santacha Lantounirinien. Afin d'éviter le risque d'inondation, en cette période de pluie, les habitants du Fouktanti Tataneti dans la commune d'Alakamis-Fenouarive, dans le district d'Antananarivo-Atsimdjan, ont effectué au moyen de l'approche à haute intensité de main-d'œuvre le curage des canaux sur place. Les travaux ont été initiés par le ministère de la Population et de la Solidarité en collaboration avec le BNGRC, Bureau national de gestion des risques des catastrophes. Les travaux de curage des canaux dans le Fouktanti Tataneti sont prévus durer 3 jours. Les habitants du Fouktan reçoivent de la nourriture en échange du travail titanesque qu'ils doivent abattre face à l'inconscience de la population qui jette leurs déchets dans les canaux. Ces déchets obstruant les canaux, jetés par les habitants des environs eux-mêmes, sont la cause des inondations qui touchent les bas quartiers. La ministre de la Population et de la Solidarité ainsi que le directeur général du BNGRC se sont rendus sur place et ont exhorté les habitants à assurer le maintien de la propreté de leur quartier et à ne pas jeter de déchets dans ces canaux pour prévenir les inondations. Et le flux d'alizés restera assez fort jusqu'à mercredi selon les prévisions météorologiques. Il s'affaiblira ensuite pour le reste de la semaine. Les températures maximales seront temporairement en baisse le mardi. Elles seront de nouveau en hausse à compter de jeudi. Les détails signés Mikanjem Volaz. Des averses localement orageuses sont attendues sur Diana, Sava, Sofia, Bouini, Melek, Bungulav, Minabé,
Atimangifan, Anjoui, Analamang, Itas et Vaknakarach, dans les trois jours à venir, selon les services de prévision météorologique. Ailleurs, le temps sera globalement ensoleillé. Ainsi, l'atmosphère restera favorable aux pluies localement modérées sur la partie nord du pays. Un flux de secteur nord et humide affectera le temps sur les parties centre-ouest et sud-est de la grande île. Ailleurs, le temps sera encore influencé par le vent d'alizé faible. Quelques nuages épars défileront sur les hautes terres et la partie nord-ouest de Madagascar en fin d'après-midi. Des brumes ou des brouillards matinaux seront possibles, surtout sur les hautes terres centrales, vers la fin de la semaine. Les températures maximales connaîtront une légère baisse jusqu'à jeudi sur les hautes terres et la partie est du pays. Elles seront en hausse progressive vers la fin de la semaine. Pour le mardi 6 février, les conditions météorologiques seront favorables aux averses orageuses sur la majeure partie de la grande île. Une hausse des températures maximales sera attendue sur la partie est de Madagascar et les hautes terres centrales. Le matin, quelques averses matinales seront prévues sur Sava, Analandrouf, les littoraux des régions de Diana, Sofia et Bouini. Le temps sera nuageux à couvert en risque de faible averse locale sur Milek, Pittsburgh, Analamang, Punglav, Itas, Vaknakarach, Amurumani et Matsiachambuni. Une alternance de soleil et des nuages dominera ailleurs. Dans l'après-midi, le temps sera nuageux à mi-couvert avec quelques averses par moment sur Atsnanan, Vatfav, Itfunani, Milek, Minabe et Atimanjifan. Des averses isolées localement orageuses seront au rendez-vous sur le reste du pays. Pour le mercredi 7 février 2024, le type de temps estival restera prédominant sur l'ensemble du pays. Les températures seront quasi stationnaires sur la grande île. Le matin, des pluies faibles seront possibles sur Sava, Analandrouf, Touamassn et Andilamin. Le temps sera graduellement nuageux à mi-couvert sur Diana, Sofia, Bouini, Pittsburgh, Punglav, Itas, Analamang, Vaknakarach, Alochamangourou et Atsnanan. Le temps sera partiellement nuageux ailleurs. Dans l'après-midi, des averses orageuses isolées et localement orageuses seront au rendez-vous ailleurs. L'équipe nationale malgache de tennis de table pour la 13e édition des Jeux africains est désormais complète à la suite des matchs test de ce week-end. Zou, Nadjan, Rassafi, Ndjalam, Luciano, Randian Atouan, Jouché et les hommes, ainsi que Fitir Akutuniren, et Santa Chinyen, Rarzon, se joignent aux quatre autres pongistes déjà qualifiés d'office. Parmi ces derniers figurent Rivar Akutuarsu et Océane Rakutunjazak, les champions en titre de Madagascar ainsi que deux expatriés. Les joueurs locaux sélectionnés participeront à un regroupement à partir du 13 février. Selon Bintou Khadivel-Jean, président de la Fédération malgache du tennis de table, la liste finale sera établie après que le ministère des Sports aura déterminé le quota de la Fédération malgache de tennis de table qui constituera la délégation malgache aux Jeux africains à Accra, au Ghana, du 8 au 24 mars 2024. Et puis à l'étranger, en Amérique du Sud, dans le centre du Chili, de violents incendies ravagent la région côtière touristique de Valparaiso, faisant au moins 112 morts. Les pompiers continuent lundi de combattre une quarantaine de foyers actifs. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues, alimentant les craintes d'une aggravation du bilan. Reportage de France 24. Ces rescapés de Viña del Mar sont revenus dans les décombres de leur vie d'avant les incendies. Ils fouillent dans les débris pour tenter de sauver ce qui peut l'être, mais tout est parti en fumée. En quelques heures, des quartiers entiers de cette ville ont été réduits en cendres. Au moins 26 000 hectares ont été ravagés par les flammes et des dizaines de personnes sont décédées. J'ai des voisines qui sont mortes brûlées et dont les corps ont été dévorés par les chiens. Nous avons dû trouver le courage de prendre le corps de ma voisine brûlée et de la couvrir pour que les chiens ne la mangent pas. L'ampleur de ces incendies a secoué tout le pays.
Plus de 1000 pompiers et plus de 1000 militaires et volontaires sont à pied d'œuvre pour la quatrième journée consécutive contre des dizaines d'incendies localisés dans le centre et le sud du pays. Le président chilien a déclenché l'état d'urgence et a décrété 2 jours de deuil national à partir de ce lundi. C'est tout le Chili qui souffre et pleure ses morts. J'adresse ma solidarité et mes sincères condoléances à chacune des victimes qui ont perdu un être cher, leur maison, leurs souvenirs et leurs biens. Ces incendies ravagent plusieurs régions du centre du Chili, situées à environ 1h30 de la capitale, Santiago. Des températures dépassant les 40 degrés, associées à des conditions de sécheresse historiques, sont la cause de ces brasiers. Après le Chili, cette canicule, résultat du phénomène climatique El Niño, menace dans les prochains jours d'autres pays d'Amérique latine. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Thank you.